Ok, maintenant que j'ai fait mon ANOVA global, je vais analyser les effets simples. Alors, dans le découpage que je vous propose, là, selon mes hypothèses, on a une variable indépendante qui est le type d'émotion, la tonalité émotionnelle du film, et une variable modératrice qui est le fait de montrer ses émotions ou pas. Donc, mon découpage, ça va être regarder les effets simples du fait de montrer ses émotions ou pas, en fonction, excusez-moi, les effets simples du type d'émotion exprimé dans le film en fonction du fait que le comparse exprime ou non ses émotions. Donc je vais regarder les variations de la ligne verte, c'est mon premier effet simple, et les variations de la ligne bleue, c'est le deuxième effet simple. Et donc l'interaction, elle est due au fait que ces effets simples, ils sont différents.